Le mouvement français pour un revenu de base vous souhaite la bienvenue pour ce colloque à l'Assemblée nationale. À la lecture de l'intitulé L'ingénierie du revenu de base, certains d'entre vous se sont peut-être dit « Chouette, on va parler gros chiffres, financement », et les plus enthousiastes d'entre vous, je vous vois. Enfin là, je ne vous regarde pas, mais je vous vois. Se sont certainement dit « Enfin, on va évoquer la différence entre les différentes manières de financement, telles que l'impôt proportionnel et l'impôt progressif, la différence entre la CRDS et la CSG. » Eh bien, je suis désolé, peut-être que mes invités le feront, mais ce n'est pas exactement le sujet de cette table ronde. Comme j'aimerais le faire remarquer, mes invités ont la capacité de vous tenir en haleine toute l'après-midi, chacun. Mais là, je souhaiterais justement qu'ils interviennent les quatre pour nous parler de revenus universels, et pour nous parler de la manière qu'ils ont eu, eux, de le défendre, et également revenir sur leurs publications et sur leurs travaux en cours. Je vais commencer par présenter M. Léon Régent, ici présent, qui a publié en 2018 la face cachée des allocations familiales, qui concernait le volet enfant, 8 euros prix conseillé, magnifique ouvrage, téléchargeable gratuitement sur Internet. Dans lequel, justement, Léon analyse notre système socio-fiscal et essaye justement d'en montrer l'inefficacité et l'iniquité. Il pose ensuite comme morale d'action le fait que le citoyen, une fois confronté à un système socio-fiscal plus simple, sera en mesure de décider ce qu'il souhaite d'en faire pour demain. Et suite à la première table ronde de ce matin sur la question, justement, de l'aide aux plus démunis, j'aimerais, Léon Régent, vous entendre, nous résumer les travaux que vous avez entrepris dans ce bouquin et que vous continuez à entreprendre aujourd'hui. Merci. Oui, je suis très heureux d'avoir une table ronde qui s'intitule « L'ingénierie du revenu de base ». Alors, un mot sur ce livre. Ça n'est pas une plaquette commerciale. Je ne vends rien, je fais réfléchir. Et pour faire réfléchir, il y a deux pages pour dire ce qui me paraît très bien, c'est une allocation familiale unique, par exemple 200 euros jusqu'à 14 ans et 250 euros après. Et les 100 autres pages, c'est pour décrire l'incroyable foutoir des prestations familiales actuelles. Donc, vous voyez la... Bon, alors, et puis, aussi tant qu'à faire, j'ai mis sur Internet le tome 2, qui est aussi, non pas une plaquette commerciale, mais une invitation à réfléchir sur différentes modalités possibles d'un revenu universel adulte. Donc, vous voyez la visée du livre, je ne suis pas un commercial, je suis un technicien dans la soute. À regarder tous les détails, et le diable est dans les détails, je peux vous le dire. Alors donc, je suis extrêmement content parce que, finalement, pour moi, aujourd'hui, il s'agit d'expliquer comment passer d'un rêve d'une société meilleure qui embrasse tous les sujets à un projet concret, mais qui dit projet concret dit forcément petit pas partiel. Alors, le petit pas partiel que je propose, c'est, avec l'air d'ailleurs, hein, c'est de rationaliser les minima sociaux et la structure fiscale avec l'impôt sur le revenu au niveau où ça se trouve actuellement. C'est-à-dire qu'on sépare le sujet « rationaliser la manière de faire » avec le sujet « on aimerait en avoir plus ». Et on aimerait en avoir plus, c'est un autre sujet, parce qu'à l'évidence, on peut tout à fait tourner le potentiomètre du RSA aujourd'hui. Hein, donc, ce n'est pas le vrai sujet du revenu de base, en demander plus. Ce qui importe, c'est le revenu de base, c'est le donner autrement. Alors, c'est quoi donc le problème qui est à résoudre, ainsi que les choses sont posées? Le problème, c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est la complexité. Et la complexité, elle a des conséquences épouvantables, alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux à budget pratiquement égal. Donc voilà le sujet que veut traiter le revenu universel tel que l'air et moi et Marc nous le proposons.
Je ne vais pas, parce que faute de temps, et puis on l'a illustré ce matin, et puis vous le trouverez dans le bouquin, illustrer avec quelques exemples les turpitudes incroyables et incommensurables, et j'en découvre tous les jours, du système existant. Ces turpitudes, je les découvre en dépouillant les décrets, et ce matin, on retrouve les mêmes en contact avec les gens. C'est exactement la même chose. Les turpitudes du terrain sont celles qui découlent logiquement de la lecture des décrets. Par contre, la question qui m'intéresse, et à partir de toute l'expérience d'avoir cherché comment faire pour simplifier, la question qui me semble intéressante, c'est de dire, mais au fond, après des années d'études pour chercher à simplifier le système, c'est quoi le fondement de ce qui serait un système socio-fiscal simple? Quelles sont les règles, et en l'occurrence, je dirais, les deux règles qu'il faut respecter pour arriver à la simplicité? Alors, les deux règles. La première, ça rejoint l'absence de conditionnalité qu'on a vue ce matin. Mais j'irais de manière technique, pas de conditionnalité, ça veut dire pas de seuil. Vous voyez, la traduction technique, pas de conditionnalité, c'est pas de seuil. Alors, je vais prendre trois exemples de seuil pour montrer qu'il y a différents. Il y a le seuil âge. On va dire jusqu'à 14 ans, on a un peu moins qu'après 14 ans en matière d'allocation familiale. Ça, c'est un seuil, je dirais, tolérable, parce que l'âge, c'est béton. Personne ne peut contester qu'un tel a 14 ans ou n'a pas 14 ans. Ensuite, il y a des conditionnalités complètement floues. On a vécu les discussions sur la pénibilité. C'est impossible de chiffrer la pénibilité. Et donc, forcément, quand on essaye de mettre en œuvre quelque chose qui en tient compte, c'est l'échec assuré, enfin au plan national. Tout ce qu'on peut faire, c'est traiter le sujet localement, entre employeurs et employés. La conditionnalité principale qui nous concerne, c'est la conditionnalité en matière de ressources. C'est-à-dire, quand on gagne moins que tant, on a le droit à quelque chose. Ou quand on gagne plus que tant, on a le droit de payer un peu plus d'impôts. Alors, cette conditionnalité pose d'immenses problèmes. Alors, les problèmes sont de deux natures. C'est la première nature, de quelles ressources parle-t-on ? Alors, je vais prendre un exemple. Le RSA, on enlève les ressources, mais il y a des ressources. On enlève 100% du RSA. C'est par exemple les allocations familiales. On enlève 100% des allocations familiales du montant théorique du RSA familialisé. En plus, on enlève ces allocations familiales 2 ans après, puisque c'est les allocations familiales de 2019 qu'on enlève aujourd'hui. Deuxièmement, il y a des choses qu'on enlève en partie. Alors, je vais dire, par exemple, le complément familial. On enlève une partie du complément familial touché en 2019. L'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales, c'est pareil. C'est une partie, un morceau. Troisième chose, c'est les revenus d'activité. On en enlève 39% pour calculer la prime d'activité. Bon, ça, OK. Et puis ensuite, il y a ce qui est complètement cumulable. On enlève 0%. C'est encore un autre cas de figure. Par exemple, la majoration des allocations familiales à partir de 14 ans est cumulable avec le RSA. Vous voyez qu'on a un système complètement hétéroclite, invraisemblable de complexité, et encore là, je ne vous donne que quelques petits exemples. Deuxièmement, la question de la période de référence en matière de ressources. Est-ce que je vais prendre les ressources du mois, du trimestre, de l'année ? Bon, pratiquement, en matière de RSA, on a résolu le problème en disant « je prends tout ». Il y a un calcul qui se fait par mois, qui est moyennisé sur le trimestre, et on prend certains revenus, je vous l'ai expliqué, de 2 ans avant. Donc, c'est aussi le foutoir complet.
Alors, du coup, ça peut aussi amener à des turpitudes parce qu'on peut chercher à optimiser. Si je déclare mes revenus un peu plus tôt ou un peu plus tard, ça ne produira pas le même effet. Donc, la première qualité, c'est un système qui n'a pas de seuil. Deuxième qualité, deuxième enjeu, c'est un seul sujet par dispositif. Les dispositifs qui veulent tout faire en même temps, par exemple, le RSA traite la pauvreté, ça tient compte des enfants, ça dépend aussi des APL, on mélange tout. Donc, je vais donner deux exemples de plantage récents liés au fait qu'on n'a pas suffisamment séparé les sujets. Le RUA, Revenu Universel d'Activité de Macron, eh bien, on l'a lancé en disant on va parler des minima sociaux. On ne parle pas de la politique familiale, on ne touche pas aux enfants et on ne touche pas non plus à l'impôt sur le revenu. Résultat, forcément, plantage, parce qu'on ne peut pas rationaliser le petit morceau uniquement minima sociaux sans regarder en même temps l'interaction avec les enfants et l'impôt sur le revenu. Deuxièmement, les retraites. On a pris comme périmètre ce que font les caisses de retraite. Grosse connerie. Les retraites, ça inclut aussi le minimum vieillesse, l'ASPA. Et donc, il fallait raisonner en disant, on prend les caisses de retraite et le minimum vieillesse, et on fait un système cohérent avec l'ensemble. On n'a pas fait ça, c'est pas la seule raison, on s'est planté. Léon, il faudrait que tu passes à la conclusion. J'arrive à la conclusion. Sur quel fil tirer pour démêler le sac de nœuds. Le fil, c'est les enfants. Les enfants, et ça c'est le résultat de plusieurs années de réflexion, mais les enfants, c'est le premier paramètre à sortir des minima sociaux et à sortir de l'impôt sur le revenu pour pouvoir simplifier. Et il faut donc faire l'allocation familiale unique, non pas parce que ce sera mieux pour les enfants, mais parce que c'est la condition technique préalable pour faire des minima sociaux et un impôt sur le revenu raisonnable et rationnel. Je termine en disant ce que j'aimerais, c'est que on conjugue nos forces R et MFRB. L'R ayant un travail technique difficile à comprendre, peut-être, en tout cas qui n'est pas forcément grand public, et le MFRB ayant des qualités de communication. Ce que je voudrais bien qu'on comprenne, c'est que nous ne sommes pas concurrents, mais que la proposition d'un revenu universel pingre, entre guillemets, façon R, c'est la première étape pour aller vers une société meilleure, et non pas un projet concurrent. Merci. Merci Léon, tu me donnes une formidable transition puisque je vais passer la parole au président actuel de l'association pour l'instauration d'un revenu universel, l'AIR, qui défend donc, paraît-il, un revenu de base pingre. Peut-être pourra-t-il nous préciser en quoi cela consiste. Il est également membre cofondateur du mouvement français pour un revenu de base et il a publié en octobre dernier L'ingénieur du revenu universel aux éditions de l'Observatoire, dans lequel est résumé presque 20 ans de travaux sur la question du revenu universel. Marc de Bastia, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, j'ai découvert tout à l'heure qu'il fallait intervenir pendant 10 minutes maximum. 10 minutes est extrêmement court. Bon, alors, juste se dire que j'ai fait ma thèse donc, sur le financement de l'allocation universelle, c'était le jargon de l'époque, que j'ai soutenu en 2011. Et depuis ça, j'ai cofondé le MFRB avec Frédéric Bosquet, qui est juste très heureux de le retrouver ici, qui vient un peu dans le Nord, pour une fois, c'est bien. Voilà, merci Frédéric. Et j'ai repris la présidence de l'AIR en 2014, après le décès de Yolande Bresson. Voilà, donc effectivement, je travaille dessus depuis 17 ans maintenant, et j'y travaille énormément. C'est qu'à une époque, j'étais cadre dans un grand groupe, et j'ai même quitté, voilà, donc maintenant j'ai une liberté un peu plus grande pour travailler sur ces sujets-là qui me passionnent. Alors j'ai publié en 2014, puis en deuxième volume en 2017, un truc qui s'appelle « Libère, un revenu de liberté pour tous », avec le philosophe Gaspard Koenig, ce qui m'a valu pas mal d'incompréhension. Certains m'ont dit « Tiens, Marc de Bastia, c'est un libéral, voire un néolibéral, voire un ultra-libéral. »
Bon, si ça peut vous rassurer, il y a des gens des bureaux qui me traitent de communiste. Vous voyez. Bon. Je ne sais pas ce que je suis, en fait. Je ne sais pas ce que je suis. Je suis convivialiste. Hein, Denis, je dis ça pour Denis, voilà. Je suis convivialiste par ailleurs. Bon. Et puis ce bouquin-là, je l'ai sorti donc, récemment. C'était une commande que j'ai reçue me disant, voilà, le revenu universel, c'est une idée que tout le monde croit de gauche. Et toi, quand on regarde un peu ton histoire, ton truc, t'es pas l'archétype du gars de gauche. Je dis, non, je suis pas l'archétype du gars de droite non plus, d'ailleurs. Je ne sais pas très bien ce que je suis. Bon, je suis un gars qui croit aux idées. Je suis un gars qui croit au progrès social. Bon, voilà, donc, du coup, ça fait l'ingénieur du revenu universel. Donc, effectivement, c'est un petit peu autobiographique, ça, je raconte un peu ma vie. Mais pas que, hein. ça serait pas beaucoup d'intérêt. Mais quelques petits trucs marrants, quand même. Typiquement, un des premiers trucs que je raconte, c'est qu'en 1989, pendant que Yolande Bresson et Henri Guiton fondaient l'ère, moi, j'étais en Afrique du Sud. J'étais étudiant, je faisais un stage en Afrique du Sud. C'était encore l'apartheid. Et j'étais très frappé par ce séjour en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Nelson Mandela était encore là, à Robben Island en face. Hein. Et je voyais partout dans les townships où je me promenais, c'était indiqué « One man, one vote ».« One man, one vote ». Voilà. Et il est vrai que cette phrase-là m'est restée depuis toujours, disant « Voilà, finalement, la démocratie, ce sont des choses extrêmement simples ». C'est pour ça que quand l'idée du revenu universel m'a traversé l'esprit il y a une vingtaine d'années, en fait, j'ai fait un lien immédiat avec cette question-là démocratique, disant finalement, chaque être humain a la même valeur dans la société, et donc tous les trucs compliqués sont juste hors sujet, quoi. Hors sujet. La survie, les systématiques, c'est chaque être humain, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Voilà. Donc le bouquin... Alors ce bouquin, alors, s'il y en a qui s'intéressent, j'en ai quelques exemplaires. Bon, je n'ai pas pris une caisse complète, j'ai quelques exemplaires. Bon, voilà. Dans ce bouquin, bon, il y a 5 parties. Je ne vais pas donner le détail, évidemment, mais quelques petits trucs. Déjà, un des points, je pense, importants, c'est que je fais le constat que le travail, quand on parle de travail, je crois qu'il faut distinguer 5 catégories sur le travail. Des choses très simples, hein. Première catégorie, c'est le travail qu'on fait pour soi ou pour ses proches. Sa famille, ses voisins, c'est un travail qui n'est évidemment pas rémunéré, c'est un vrai travail, quoi, qu'on fait tous. Ensuite, il y a le deuxième niveau, il y a le bénévolat. Le bénévolat pour des associations diverses, bon, que ce soit Secours catholique, ATD, ou toutes les associations du coin de la rue, hein, bien sûr. Troisième catégorie, il y a le travail rémunéré non déclaré. Bon, il y a très peu, évidemment, on sait tous, il y a très peu de travail rémunéré non déclaré, c'est très rare, mais ça existe quand même un peu, quand même. Hein. Bon, je crois. Et quatrième, c'est l'activité professionnelle qui est rémunérée en se faisant payer par des clients. Voilà, quand on est entrepreneur, Frédéric connaît ça par cœur, en entrepreneur, on cherche des clients, on se fait payer par des clients, voilà. Et puis la cinquième catégorie, c'est l'emploi salarié. L'emploi salarié, il y a une statistique assez intéressante qui dit que finalement, en termes d'heures de travail dans la société française, c'est de l'ordre de 40% de l'ensemble des heures travaillées en France, c'est du salariat. Le reste, c'est pas du salariat. Et pourtant, quand on parle de travail, on est tous dans nos mentalités, on pense salariat. Et le revenu universel, c'est un moyen de nous donner un peu de respiration par rapport à cette vision un peu étriquée du travail. En réalisant que le travail salarié, c'est quand même une forme moderne et très aménagée de l'esclavage, quelque part. Hein, c'est que le salariat, c'est le fait qu'on travaille sous la direction et sous le contrôle d'un autre. Bon, et donc on peut travailler de manière beaucoup plus épanouissante, de manière différente. Mais évidemment, l'articulation entre les différentes formes de travail, je vous donne ces 5 catégories, et les différentes formes de rémunération, c'est une question qui se pose, bien sûr. Voilà. Je ferme cette parenthèse-là. J'en ouvre une deuxième. Dans le bouquin, le chapitre du milieu, c'est un peu un hasard, c'est le chapitre du milieu, c'est le chapitre où je décris la proposition centrale. La proposition centrale que je fais, c'est un revenu universel qui serait de 500 euros par mois par adulte. Ceci étant équilibré avec un financement qui est de 30% des revenus imposables, de tous les revenus imposables. Donc la formule magique qui est le point
énorme de ce livre, c'est ça, c'est le résumé du livre. Le résumé du livre, c'est en quelques, très peu de mots, c'est 500 euros moins 30% des revenus imposables, voilà. Évidemment individuels. Et ce que je n'explique pas là-dedans, parce que ce bouquin, il est plus l'histoire, la philosophie, j'avais évidemment expliqué dans le bouquin Libère, c'est là toute la l'articulation technique avec des graphiques, des tableaux, tout ça. Bon, là, il n'y a aucun tableau, il n'y a aucun graphique. C'est plutôt de l'explication, c'est de la pédagogie, c'est un peu plus de philosophie. Pas beaucoup, hein. Voilà. Voilà. Donc, si vous retenez déjà de mon intervention 500, 30%, vous avez déjà tout compris. Ça, c'est à peu près équilibré. Ça demande un petit complément fiscal, mais ça, je ne veux pas aller dans le détail. En tout cas, instaurer ce système-là, 500 euros dès 18 ans, et j'insiste beaucoup sur les dès 18 ans, ça fait une révolution énorme par rapport à l'autonomie des jeunes. L'autonomie des jeunes, aujourd'hui, on parle beaucoup du RSA jeunes, que le gouvernement, et je dirais les gouvernements, n'osent pas instaurer. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a 20 dispositifs de soutien monétaire par rapport aux jeunes de 18-25 ans. Soit des aides fiscales ou sociales ou familiales versées aux parents, soit aux jeunes lui-même, mais il y a 20 dispositifs. Donc c'est extrêmement encombré, cette zone-là. Donc dire qu'on va mettre un RSA jeune, ben, il faut faire le ménage. Voilà, donc 500 euros dès 18 ans, et tout le reste, on peut le nettoyer, à quelques exceptions près. Voilà, donc vous avez un petit peu la base de la chose. La seule chose que je voudrais dire en complément, c'est que dans ce bouquin-là, la partie 4 est un peu particulière, parce que là, j'ai écrit un chapitre par catégorie d'opposants. Là, c'est un défi que je me suis un peu lancé, c'est d'arriver à écrire de manière claire quelles sont les grandes logiques d'opposition au revenu universel que je constate dans la société. On a rencontré pas mal de monde à tous les niveaux. Et finalement, il y a pour moi 5 catégories d'opposants que je vais juste vous énoncer, sans commentaire. Et s'il y a des questions, on pourra en reparler. Première catégorie d'opposants, ce sont ce qu'on peut appeler les néolibéraux ou les conservateurs de droite, qui sont tellement attachés au marché et à une espèce de conservatisme du fonctionnement de la société qu'ils bloquent complètement. Donc là, il y a une espèce de credo des néolibéraux et conservateurs de droite. Deuxième catégorie d'opposants, tous les promoteurs de la lutte des classes. Quand on se bat pour la lutte des classes, on a du mal à accepter un système unique pour toute la population. Et ça va même plus loin que ça. Ça, on l'a vu dans les interventions de plusieurs élus, LFI, communistes, hein, qui expliquent que si on donne de l'argent par revenu universel, c'est de l'argent qu'on va injecter dans le marché. Et ça, c'est horrible. Donc, il n'est pas question de mettre de l'argent dans le marché. Voilà, donc là, on a une objection qui est, je dirais, les promoteurs de la lutte des classes. Certains d'entre vous sont nourris par la lutte des classes, c'est pas, je vous le dis comme néanmoins. Hein, voilà. Vous savez aussi que dans vos amis, même des amis proches, certains restent très opposés. Et Denis, je pense que vous voyez de qui je veux parler. Ok. Troisième catégorie, vous avez la technocratie et les experts. La technocratie, donc toutes les grandes administrations, les experts, je ne vous donne pas les noms, vous les connaissez, qui eux sont experts de leur sujet à eux et ont un mal fou à accepter qu'une idée aussi simpliste et débile qu'un revenu universel puisse faire mieux que leur truc. Et je viens de rencontrer des paquets, et c'est impressionnant à tel point c'est caricatural. Il y a même un gars, dont je ne dirai pas le nom, je sais qui c'est, mais je ne vous dirai pas le nom, qui, dans une réunion à France Stratégie, on était une quinzaine d'experts, hein, je lui ai fait mon speech, puis moi, dans le tour de table, j'ai dit je pense que quand même, ça pose un vrai problème, parce que si on supprime toutes les allocations, on aura beaucoup moins d'informations pour faire nos statistiques. J'ai mis dans le bouquin, ça, hein, j'ai raconté ça, c'est impressionnant. C'est que les gars, ils vivent pour leur machin, quoi. Et le sens du public, ça, c'est autre chose. Quatrième catégorie, ça va railler, ça s'énerve. Quatrième catégorie, ce sont, alors là, certains vont se reconnaître un petit peu, ce sont les grandes associations de lutte contre la pauvreté qui sur lesquelles il y a un sentiment assez mitigé, qui veut dire, bah, si vous mettez en place un truc automatique qui fait le boulot, à quoi on sert, nous ? Je vous présente ça de manière un peu humoristique, mais il y a un fond de vrai. Il y a un fond de vrai qui m'a été confirmé par plein de gens qui connaissent très bien les associations, qui me disent effectivement il y a un peu ce sentiment de sauveur du monde qui met un peu les œillères.
qui empêche d'imaginer que quelque chose qui est très automatique, très simple, pourrait faire une partie du job. Enfin, je mets tout le job, bien sûr. Il y a un frein, il y a un vrai frein par rapport à ça. Et la dernière catégorie, c'est celle qui fait mal. C'est celle qui fait mal. Ce sont les promoteurs du revenu universel qui défendent des versions totalement utopistes. Je ne donne pas de nom. Mais quand on m'explique, tiens, on va vous donner un truc, on va vous donner 1000 euros par personne, ça sera vachement bien. Ça sera, bon, c'est beaucoup mieux que le pingre avec ses 500 euros, c'est sûr. C'est vrai que c'est mieux. Hein. Ça se finance, ouais, création monétaire, monnaie hélicoptère, machin, ouais, facile quoi. Taxation des transactions financières, bon. Un tas de trucs qui n'ont aucune réalité économique. Et donc, voilà, moi je mets ça dans mon bouquin, c'est un peu violent peut-être, dire, dans notre travail de promotion du revenu universel, il y a un moment, il faut qu'on ait une exigence de rigueur et de vérité. C'est le titre de mon petit chapitre là-dessus. Si on ne l'a pas, effectivement, on est condamné à sortir nos slogans pendant des décennies et des décennies et des décennies, et nous n'aurons jamais aucun gouvernement, ni de droite, ni de gauche, ni d'ailleurs, qui fera la chose. Et là, je vous dirais, mon message, c'est de nous obliger à un peu de sérieux et de rigueur dans ce que nous proposons. Voilà mon message. Bon, je prends ce risque. Merci, Marc. Eh bien, nous allons passer, encore une fois, les transitions sont géniales avec vous. Nous allons passer la parole, justement, à des promoteurs du revenu universel, que d'aucuns pourraient qualifier d'utopiste. Je laisse la parole à M. Guy Valette, qui a publié récemment aux éditions Utopia l'allocation universelle d'existence, dont le sous-titre est « Une protection sociale pour le XXIe siècle », et dans lequel M. Guy Valette analyse justement comment le revenu universel pourrait être considéré comme le cinquième pilier de la protection sociale et compléter ainsi le projet du Conseil national de la résistance. Guy, vous avez 10 minutes. Oui, bonjour tout le monde. Bon, ce matin avec la table ronde et cet après-midi avec Léon, on a vu comment le système d'aide sociale administré par l'État était curatif, hein, a posteriori, conditionné, stigmatisant, familiarisé, hein, et que par sa complexité, hein, il n'arrivait pas à toucher tous les ayants droit. Hein. Malgré le pognon de dingue, il y a encore aujourd'hui plus de 10 millions de travailleurs, dont 2 millions de travailleurs qui sont encore sous le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian. Enfin, les aides diminuent avec les revenus du travail. Lorsque vous gagnez 1 euro par le salaire, vous perdez 40 centimes d'aide sociale. Avec les frais occasionnés par l'exercice d'un emploi, cela n'encourage pas à aller se lever le matin pour aller bosser. Alors, si proposer une simplification et une meilleure lisibilité de ces aides sociales est une première étape nécessaire, hein, il faut s'attaquer aussi au fait que ce système de redistribution divise la société en citoyens de seconde catégorie, les ayants droit d'un côté et de l'autre les contributeurs. Hein, véritable fracture sociale où ceux qui réussissent s'arrogent le droit de dire aux perdants comment ils doivent dépenser le peu d'aide que l'État leur octroie. Ce qui induit évidemment amertume, ressentiment, méfiance, repli sur soi et montée de la violence. Enfin, d'une république unie et indivisible, on passe progressivement à une république éclatée façon puzzle. Alors, que faire? Eh bien, beaucoup d'organisations d'entraide, et la proposition de ce matin était là pour le prouver, réclament un revenu minimum garanti, sans contrepartie. C'est, bien entendu, une première étape urgente à réaliser. Mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas se limiter à une logique d'assistanat. Un système qui n'aide que les pauvres creuse encore l'écart qui les sépare du reste de la population. Et il y a un théoricien anglais de l'État social britannique, hein, qui s'appelle Richard Titmuss, qui disait « Une politique pour les pauvres est une pauvre politique ». Alors, que faire quand la distribution de la richesse par le travail
en salaires et cotisations est de plus en plus erratique, que l'insécurité sociale règne alors que la richesse créée n'a jamais été aussi grande. Comment assurer en toutes circonstances les conditions concrètes d'existence, cet fameux universel concret dont parle le philosophe Frédéric Worms? Comment passer d'un système d'aide sociale qui assujettit les individus à l'exercice d'un droit qui élève? Voilà toute la problématique sur laquelle il faut travailler. Pour répondre, je pense qu'il faut changer de pied en, premièrement, d'une part, répartissant mieux la richesse créée par le travail et par le capital. Les machines qui font le travail des humains doivent aussi contribuer à l'existence des salariés qu'elles remplacent. C'est ce que disait déjà Sismondi au début du XIXe siècle et que Benoît Hamon a popularisé avec la taxe robot. Deuxièmement, il faut substituer à cette redistribution organisée par l'État, d'aide sociale dont on a vu les effets délétères, il faut substituer cette redistribution par une redistribution universelle, transformatrice, inclusive, telle que l'appelle Nancy Fraser dans ce livre « Qu'est-ce que la justice sociale ?» Une redistribution qui permet d'allouer à chacun une allocation universelle d'existence administrée par une nouvelle branche de la sécurité sociale, basé sur le principe suivant, chacun contribue en fonction de ses moyens, en revenus et en patrimoine, à assurer l'existence de l'ensemble des membres de la communauté. Ce revenu dissocié de l'emploi doit être d'un montant suffisant pour se libérer à toutes les étapes de la vie de l'épreuve du guichet, en se substituant à toutes les aides conditionnées financées par le budget de l'État. Ce n'est donc pas le montant de l'allocation qui doit être discuté et négocié, mais bien son financement. Alors, on peut s'appuyer pour le financement sur trois piliers. Premier pilier, une contribution progressive sur tous les revenus d'activité et du patrimoine qui remplace l'impôt sur le revenu. Deuxième pilier, une contribution progressive en fonction des salaires sur le patrimoine privé, qui remplace ce qui reste de l'impôt sur la fortune, l'IFI. Troisième pilier, une cotisation sur le capital productif, l'excédent brut d'exploitation, qui remplace la cotisation des allocations familiales sur les salaires, et qui est un petit peu la taxe robot dont j'ai parlé tout à l'heure. D'autres moyens de financement existent, et peuvent venir compléter ce dispositif fondé sur la solidarité, sans en altérer la philosophie, comme la gratuité de service ou comme la taxe pollen dont va parler Yann dans quelques instants. Mais cette allocation doit être à la fois protectrice et émancipatrice. Elle est d'abord protectrice parce qu'elle garantit un revenu minimum qui immunise à toutes les étapes de la vie contre la pauvreté et la précarité. Elle assure contre les accidents de la vie. Par sa dimension universelle, cette allocation, en assurant une retraite individuelle égale à 60% du revenu médian, permet de réorienter une part des cotisations sur les retraites actuelles vers une cotisation complémentaire pour l'assurance maladie qui en a bien besoin, on l'a vu avec la crise du Covid. Tout cela pour aller vers une sécurité sociale universelle dans l'esprit des fondateurs qui, il y a 75 ans, avec l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945, et je cite, disait « Le but final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité. » Il n'encourage pas l'inaction, ce revenu de base. Au contraire, il incite à la reprise d'activité, car avec cette allocation, le travail paie. Le salaire s'ajoute au revenu, de base, et la contribution est très progressive, de 0 à 30% pour les salaires inférieurs à 2000 euros, ce qui représente quand même 50% des emplois salariés aujourd'hui en France. Il revalorise aussi de manière significative les métiers des premiers de corvée que la pandémie de Covid-19 a révélé au grand jour. C'est aussi donc une allocation émancipatrice. Comme l'affirme Jean-Marie Haribet,
le travail est vital dans un double sens. Il est vital pour produire les conditions concrètes d'existence et il est vital pour se produire soi-même au sein d'un collectif social et culturel. Il s'agit, avec cette allocation universelle, d'assurer à tous le premier objectif pour que chacun puisse se consacrer pleinement au second, qui est de se réaliser socialement. Ce revenu d'existence dissocié de l'emploi individuel doit permettre de répondre aux mutations en cours dans le monde du travail comme aux défis environnementaux à surmonter dans les années à venir. Cette allocation d'existence permet d'aller aussi vers la civilisation du temps délibéré, cher à André Gorz. On ouvre la voie vers la réduction du temps de travail individuellement et collectivement dans l'entreprise pour un meilleur partage des emplois et une réduction drastique du chômage. Enfin, je dis qu'il n'en coûterait rien au budget de l'État, puisqu'il serait dispensé de cette mission de solidarité qu'il fait si mal. Il n'en coûterait rien, non, globalement, sur la profitabilité des entreprises. Et on renforce les budgets des différentes branches de la sécurité sociale. Tout cela grâce à ce principe fondamental de solidarité universelle qui ne demanderait qu'un effort supplémentaire à une minorité de foyers fiscaux les plus dotés en revenus et en patrimoine. Véritable investissement pour vivre dans une société plus apaisée et en fin de compte plus productive. Et là, je cite Philippe Van Parijs, philosophe, du fondateur du Basic Income Earth Network, qui dit « Il s'agit de construire un État social qui mise intelligemment sur l'épanouissement du capital humain plutôt que sur l'astreinte d'un emploi non choisi. » Pour conclure, j'affirme qu'il ne peut y avoir de liberté ni de démocratie réelle sans égale considération, sans égalité des droits humains et sans la solidarité des uns envers les autres pour garantir l'égale participation à la vie sociale et politique de l'ensemble des citoyens. Pour ne plus subir, mais pouvoir faire sa part pour construire un monde plus respectueux des ressources humaines comme des ressources terrestres et comme en respect aussi à l'environnement, pour que chacun puisse exercer ce qu'Albert Camus appelle dans La Peste le métier d'homme, pour que chacun puisse être l'entrepreneur de soi-même. Voilà, je vous remercie. Merci Guy. Ah, les envolées lyriques, c'est excellent. Nous passons à Yann Mouillier-Boutan. Non, c'est pas ça, c'est qu'ensuite il y a des questions, le débat. Tu as 10 minutes. Yann Mouillier-Boutan, tu veux, je ne te présente pas. Non. Tu es suffisamment connu. Vous avez qu'à consulter Multitude et les nombreux articles. Voilà, Yann Mouillier-Boutan est directeur de la revue Multitude, qui va publier en janvier prochain, dans le numéro 45, une mineure sur le revenu universel. Et c'est également un professeur en sciences économiques à l'Université de technologie de Compiègne. Émérite. Bon, écoutez, moi je suis très très content qu'on ait une table ronde où, au fond, apparaît la vraie question, les vrais débats, deux types de débats. Ça va là ? On m'entend ? Ah oui, pardon. Excusez-moi, le masque de carnaval colle à la peau. Peau blanche et masque noir. Alors, je suis très très content parce qu'il y a deux questions que nous devons affronter, éclaircir entre nous, notamment avec R et MFRB, le différent avec un dé qui peut être très productif. Et avant, une autre chose qui est le verrou, les verrous, etc. Donc, je souhaite moins revenir sur les points techniques. Il n'y en a pas eu d'ailleurs dans les interventions précédentes, mais j'avais écrit ce texte sans savoir qu'on allait effectivement un peu les chinter, donc c'est très bien. Mais que sur trois points cruciaux, quand on discute de la mise en œuvre ou en musique du RBU, revenu de base universel. Un, la question n'est pas technique, mais c'est celle des blocages ou verrous structurels qui font que, malgré des expérimentations multiples, dans différents pays, les politiques à gauche comme à droite en France fuient une initiative juridique qui entamerait une implémentation générale. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Malgré ce refoulement, dont l'expérience de Bruno Hamon, auquel j'ai participé de près, lors de la campagne présidentielle de 2016 et 2017, qui s'est poursuivie par une réticence certaine des deux gouvernements de ce septennat en cours
La proposition devient des deux gouvernements de ce septennat en cours et je dirais aussi du septennat précédent. La proposition devient structurellement présente. Un des plus vieux partis historiques de France, de la gauche, le Parti radical valoisien, a même inscrit un revenu universel dans son programme. Pourquoi la conjoncture devient-elle de plus en plus favorable à RBU ? Enfin, un accord semble concevable sur le principe d'un RBU, mais le problème politique est que le RBU devient du même coup une auberge espagnole où certains envisagent un RSA à un niveau très bas, le gouvernement, à peine moins que 500 euros, ou de 450 à 600 euros par mois. D'autres envisagent un socle un peu plus élevé, de 700 à 800 euros. D'autres, dont je suis, pensent plus radicalement que le RI doit constituer un RBU qui se substitue au salaire minimum actuel, soit entre 1100 et 1300 euros net. Des variables présentant des disparités très fortes se déclinent aussi selon que ce RBU est conditionné au revenu du conjoint, comme dans les pensions de réversion, au nombre d'enfants, comme ça a été souligné par Léon tout à l'heure, évidemment au revenu tout court, la conditionnalité et le seuil. La fourchette moyenne entre 700 et 800 euros par ménage, par individu, m'a toujours semblé une cote mal taillée, car le système de prestations sociales combiné au système fiscal actuel redistribue une moyenne de 800 euros en moyenne par ménage, nettement plus pour les revenus les plus faibles et nettement moins pour les revenus moyens et supérieurs. Mais pourquoi voulez-vous qu'une transformation radicale que constitue l'établissement des RBU mérite simplement un gain de 800 euros? Il faudrait, pour que ça marche, qu'on accepte le coût de cette transformation et de cette vraie révolution, qu'évidemment, il y ait un rapport plus intéressant, si on veut mobiliser les pauvres, les moins pauvres, les classes moyennes, et j'allais dire tous ceux qui n'ont pas de revenus supérieurs à 4000 euros par tête. La transformation, donc, le principe proposé par Philippe Van Paris est que le niveau du basic income doit être le plus élevé possible en fonction du PIB de chaque pays. D'autres formulent cette exigence d'un revenu de base universel d'un niveau élevé à travers l'idée qu'il doit permettre de satisfaire les besoins essentiels. C'est la théorie de l'ONU et j'ai envie de dire les trois: logement, nourriture, transport. Et ça nous rapproche aussi de la nouvelle doctrine de l'Église, les trois T. Dans le cas français, nous avons un repère du plancher qui nous est fourni par le minimum vieillesse d'une valeur de 900 euros, qui s'avère pourtant insuffisant d'après les témoignages de tout le monde. C'est pourquoi on en vient à un niveau entre 1100 et 1200 euros net. Mais là, évidemment, on aborde un tabou particulièrement intéressant qui est celui du rôle du salaire minimum pour les actifs ayant un emploi, ce qui nous reconduit au premier point. D'autre part, il faut établir de façon la plus nette possible les dangers politiques que chacune de ces trois options, l'option très basse, qui est celle du gouvernement, pas très loin de celle de Yolande Bresson et en général des politiques sociales néolibérales, l'option moyenne, l'option social-démocrate, je me rappelle avoir été reçu par les jeunes socialistes et ils étaient à 700-750 euros, et l'option haute, un revenu de base le plus élevé possible, donc sur les difficultés, les dangers politiques que font peser tant sur le système existant de protection sociale que sur la structuration du marché du travail, selon qu'on se trouve en pénurie ou en excédent de main-d'œuvre. Et je vous rappelle que la situation est très labile en ce moment. Je reviens très vite sur deux idées du verrou structurel. Je trouve que Marc a très bien listé les opposants, sauf peut-être les derniers, mais ça, c'est le différent qui reste entre nous. Mais il a très, très bien listé. Simplement, moi, je vais plutôt conceptuellement traduire ces verrous. Le principe d'éligibilité au revenu de base ou à un revenu sans travail, sans emploi ou sans activité. C'est l'idée persistante héritée de la politique des pauvres depuis l'Angleterre du XVIIe, qui a été parfaitement écrit que le niveau de revenu touché par un pauvre ou un allocataire ne doit jamais être plus élevé que le plus bas des salaires ou revenus du travail. Et attention, revenu du travail, ça comprend le travail informel, c'est pas simplement le travail structuré, le salariat structuré dont parlait Marc tout à l'heure. Ce principe était déjà faux à l'époque, j'ai essayé de le montrer dans ma thèse sur l'esclavage au salariat. Le principe est doublement faux aujourd'hui, on verra pourquoi.
Le deuxième verrou, c'est l'effet Spin and Land. Et quand j'ai un peu contribué à convertir Gorce, qui au départ y était très hostile au salaire, au revenu d'existence, c'était qu'il m'opposait deux choses systématiquement. L'effet salaire d'appoint, qui est bien connu des syndicalistes, c'est-à-dire que quand il y a un couple et que les femmes se sont présentées sur le marché du travail, les chefs d'entreprise, sachant que le conjoint avait un salaire, disaient à la dame « Mais vous n'avez pas besoin de ce salaire. Il y a un salaire pour l'unité ménage. Donc le salaire que je vais vous payer, c'est un salaire d'appoint. » Et là-dessus, évidemment, mutatis mutandis, le gouvernement pour l'examen des choses pour l'allocation Spin and Land, le droit à la vie, qui est la première tentative de verser sans contrepartie quelque chose aux pauvres, est devenu immédiatement, ça va jouer le rôle d'un salaire d'appoint, ça va fabriquer une armée industrielle de réserve. Alors, la transformation, j'arrive très vite, la transformation radicale de la conjoncture. Je pense qu'aujourd'hui, le verrou essentiel aussi, c'est une mauvaise compréhension des transformations actuelles du travail, du salarié et de l'activité. Ça a été à la fois évoqué par Marc et par Guy. Car mutation du travail salarié, plus poids croissant des non-salariés ou des salarisés formels, plus l'activité versus le travail dépendant, travail social associatif, travail domestique non reconnu jusqu'à là ou informel, et également la transformation numérique. Donc, en fait, ces éléments de transformation des structures actuelles de l'activité transforment complètement la donne. Ce qui transforme la donne, ça a été évoqué ce matin, c'est aussi le changement de la doctrine de l'Église et Laudato aussi sur la question que le travail utile, productif, vraiment productif aujourd'hui, et là il faut rejoindre le radicalisme de Greta et des autres, c'est le travail écologique. Et que les ouvriers qui extraient du charbon sont devenus des travailleurs improductifs du point de vue planétaire. Et ça, c'est évidemment une révolution mentale pour les gens du mouvement ouvrier. Alors, le salaire, les éléments facilitateurs du débat, oui, j'y arrive. Les éléments facilitateurs du débat sont quoi ? Ben, évidemment, les marges monétaires et financières des politiques, et là, je pense que Marx se trompe, les politiques dites d'assouplissement des banques centrales ne sont pas de simples fonctionnement de la planche à billets. Elle recouvre la contrepartie de la masse d'activité et de travail réellement productif qui doit financer la transition énergétique. Ensuite, l'expérience de la Covid, c'est-à-dire le salaire garanti et l'entreprise garantie que nous avons connue depuis 2 ans, montrent l'étendue des transformations que nous pouvons entreprendre. Et l'endettement qui peut être fait sans difficulté. Donc, le quoi qu'il en coûte et les garanties généralisées de revenus pendant la période de suspension de l'économie montrent que des choses qui jusque-là étaient impossibles le sont. Alors, les critères de financement, l'organisation du revenu, et c'est ça qui doit nous guider dans le choix entre nous, R, MFRB, de l'option qui est la plus susceptible de rassembler les gens, sont clairement... Compte tenu des transformations du capitalisme contemporain, passage au capitalisme cognitif, rôle des immatériels, de l'automation via les IA, des impératifs de transition écologique, il devient nécessaire de changer le point de repère et le socle du système de travail et d'activité dépendant de la société et plus simplement d'un patron. Si le salariat perd son caractère de référent paradigmatique, je soutiens là une thèse exactement inverse à celle de Bernard Friot, au profit de la mesure écologique et capitaliste contemporaine de l'activité pollinisatrice en réseau, ce ne sont plus ni la cotisation sociale ni le salaire minimum pour les travailleurs qui devient le pivot de la relation d'extraction de valeur, mais un revenu de base universel qui fixe le minimum, non pas de la laboriosité générale, mais de l'activité pollinisatrice générale. C'est de ce point de vue-là que l'on doit envisager une refondation de la protection sociale entendue comme l'activité humaine productive dans son ensemble,
qui réévalue directement, radicalement le travail salarié, le travail non salarié, les activités rétribuées comme celles qui ne le sont pas. Et du coup, évidemment, en allant dans le sens de diminuer au maximum la conditionnalité et maximiser la hauteur du revenu possible, on trouve les 7 critères que j'avais dites. Quant au financement, je vous renvoie à l'article que j'avais fait. C'est un changement. Je pense que le système actuel de fiscalité ne permet pas de financer actuellement, malgré tout, c'est déjà une usine à gaz, mais malgré les moyens de cette usine à gaz, ils sont sans possibilité de répondre à un financement d'un revenu universel qui couvre à la fois les enfants, les adultes, les personnes non actives. Donc, je pense qu'en réalité, à entre 1500 euros brut et 1200 euros... Je ne sais pas qui a coupé. Oui, on m'a coupé, mais ce n'est pas grave. Je finis ma phrase. C'est la dernière phrase. Oui. Entre, donc, pour financer un niveau élevé, ça suppose, au fond... j'ai calculé sur le PIB de 2018... Ça, c'est une autre phrase. Non, c'est l'ensemble de l'idée. D'accord. On arrive grosso modo à... par rapport à quelque chose qui est de l'ordre colossal de 50,25% du PIB. Mais je vous rappelle que quand la sécurité sociale a été créée en 1945, c'est exactement de ce montant que... le PIB a été modifié par l'inclusion de la sécurité sociale, qui d'ailleurs a créé un budget à part, le budget social de la nation. Et je vous rappelle qu'en 2018, le budget social de la nation a dépassé 475 milliards d'euros contre 395 milliards pour le budget de l'État. Et donc je pense que c'est un ordre de saut qui n'est pas extravagant, ni utopiste, ni qui bloquerait tout, mais c'est au contraire une chose qui est à portée de la main, pourvu que la gauche comprenne enfin qu'il faut qu'elle se dote d'un vrai programme politique. Le revenu d'existence universelle à un niveau élevé, c'est maintenant. Merci Yann. Ah, ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Alors, je répète la question. Très bonne question. Effectivement, le RSA d'une personne seule aujourd'hui, c'est 497,50 €, dans le cas extrêmement majoritaire où on en soustrait le forfait logement. 497,50 € qu'il faut obtenir, qu'on obtient après avoir fait un certain nombre de démarches qui ont été décrites ce matin. Et dans le livre, c'est ceux qui ont le courage de le lire, il y a quand même quelques pages, je cite le cas d'une certaine Nathalie, qui est une personne réelle, qui est adhérente de l'air, donc on se connaît bien, qui m'a transmis les courriers qu'elle reçoit concernant son RSA. D'accord ? Madame, vous bénéficiez actuellement de l'allocation de revenus de solidarité active RSA. Afin de permettre l'actualisation de la vérification de votre situation, je vous invite à me retourner le formulaire 6 juin, dûment complété et signé, accompagné des pièces justificatives cochées dans la liste suivante, blablabla, la liste. Pièce d'identité. Ou titre de séjour, recto verso, livre de famille, ordonnancement ou jugement de divorce, attestation de sécurité sociale, passeport, l'original, à apporter en main propre, sur place, sur service de la préfecture. Copie intégrale des relevés bancaires du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, de l'ensemble des comptes et livrets d'épargne. Avis d'imposition des deux dernières années 2017-2018, recto verso, bail ou titre de propriété, taxe d'habitation, taxe foncière, dernière quittance de loyer ou contrat de prêt immobilier, dernière facture de fournisseur d'électricité, de gaz et d'eau, assurance d'habitation, cabis de moins de 3 mois, copie des statuts de la société, bilan d'activité, justificatif d'inscription au statut de micro-entrepreneur, les 3 derniers trimestres de cotisation RSI, livret de recettes. La lettre terminée avec une précision, pour les effectifs non fournis, voici ce qui se passe, blablabla. Bon. Je tourne la page. Deuxième courrier, quelques semaines après. Je constate qu'à ce jour, je ne vous ai pas transmis les éléments. En cas de refus de contrôle, il peut être engagé à votre encontre la procédure de suspension de votre allocation prévue à l'article
tout à fait décrite par Daniel ce matin. Une équipe pluridisciplinaire départementale EPD, et j'ai mis en note ici, Equitas et Secours catholique indique que souvent les gens comprennent que c'est conseil de discipline. C'est écrit équipe pluridisciplinaire, mais les gens entendent conseil de discipline. Ça donne l'ambiance. Voilà, donc 497,50 € en passant par tout ça. Et en l'occurrence, un atelier, elle a eu 320 € par mois. Hein. Là, c'est 500 €, sans aucune démarche. Ça tombe tout seul, il n'y a rien à faire. La différence, elle est là. Et là, c'est une personne seule. Pour un couple, au lieu de recevoir aujourd'hui 722 €, on recevrait 1 000 €. C'est un peu mieux, c'est vrai. Donc, en fait, votre question est très bonne parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à repérer qu'est-ce qui est important dans notre projet. Et pas se laisser embarquer dans, tiens, il faut qu'on ait plus, qu'on ait plus, qu'on ait plus, qu'on ait plus. Parce que si on dit tout le temps qu'il faut que tout le monde ait plus, ça va coûter plus à d'autres. Et les autres en question, c'est qui ? C'est nous. C'est nous. C'est pas toujours les autres, quoi. C'est nous, en fait. Donc à un moment, il faut dire, attendez, si on veut un truc équilibré, il faut que tout le monde s'y retrouve dans cette histoire-là. C'est pour ça que mon bouquin, je termine en disant, finalement, la solution la meilleure, c'est que les pauvres... Pardon. La meilleure, c'est que les riches reçoivent 500 € par mois. Quand tous les riches recevront de manière évidente, claire, publique, 500 € tous les mois, personne ne pourra dire, tiens, pourquoi les pauvres l'ont aussi, quoi ? Les riches, oui, c'est normal qu'ils aient 500 €, pourquoi les pauvres aussi ? Non, personne ne pourra se rebeller contre ça. Donc il faut donner 500 € aux riches pour que les pauvres les reçoivent sans que ça choque personne. De la même manière, il faut que les pauvres payent 30% de leurs petits revenus pour que les riches ne puissent pas dire « Ah non, 30% c'est beaucoup ». Ben non, on s'en fout. Les pauvres payent 30%. Pourquoi toi, qui as un haut revenu, tu ne paierais pas 30%? La force du truc, c'est ça. C'est-à-dire, les 500 € c'est pour tout le monde, du riche au pauvre. Les 30% c'est pour tout le monde, du pauvre au riche. Et en fonction de ça, on fait un truc totalement automatique. Personne n'a rien à justifier, rien à demander, rien à faire, rien de particulier, rien à réclamer. Ça change la vie de tout le monde. Mais évidemment, ensuite, si on dit, tiens, 500 € c'est pas assez, on voudrait plus, bon, ok, bah, à l'Assemblée nationale, hein, à quelques mètres d'ici, les députés en discutent, ils disent finalement, 500 €, qui est pour qu'on passe à 540 €? Ça vote, oh, non, on veut plus de 560, ok, c'est leur boulot de député. Et moi, j'ai pas d'avis, hein. Est-ce que c'est 500, est-ce que c'est 600? Personnellement, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est une décision de nos représentants, c'est tout. Moi, tout ce que je dis, 500 €, on sait que c'est faisable. J'explique dans le bouquin, vous allez sur le site qu'on a créé récemment, qui s'appelle 2RU.fr, donc le chiffre 2RU.fr, vous allez là-dessus, vous avez des petites vidéos qui durent 2 minutes, qui expliquent le truc. On sait que c'est faisable. Après, le montant, c'est une question de député. Pour moi, c'est pas la mienne. Nous, en tant qu'experts, c'est pas notre sujet de dire quel est le montant souhaitable. Nous, on peut dire quel est le montant possible, ça c'est sûr. J'aurais plutôt donné, parce qu'on l'a un peu divisé malheureusement, c'était pas voulu d'avoir cette division, mais le hasard de la distribution a fait un peu ça. Est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus également, vous ? Non ? Alors on va prendre une dernière question dans ce cas. Il n'y a pas une femme ? Parce que là, très bien. Madame ? Déjà, merci à tous pour vos présentations. Moi, j'ai de nouveau juste une question pour vous, Marc de Basca. C'est justement sur cette idée d'un impôt, enfin, d'une taxation à 30% sur les revenus de tous. Donc, on est d'accord, on parle d'un impôt qui est là proportionnel. On sait quand même que ça pose des problèmes en termes de lutte contre les inégalités quand on taxe un même taux toutes les personnes. Sachant que bah, 30% pour une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, bah, c'est énorme comparé à une famille qui a beaucoup d'argent. Et ensuite, je voulais juste revenir sur l'argument que vous veniez de donner pour légitimer ce revenu de base, mais qui n'est pas en fait un revenu de base, c'est plutôt un impôt négatif à la Milton Friedman au final, sur le fait que si on donne 500 € à tous, mais qu'on enlève 30%, du coup, en fonction du revenu, il y a des gens qui, du coup, ces 30% vont faire que ça leur coûte plus que 500 € de cotiser. Donc ces gens, ils ne vont jamais recevoir 500 €, on est d'accord. Mais du coup, ces gens-là, on ne peut pas légitimer le fait que des pauvres reçoivent 500 €
en disant mais les riches aussi, vu qu'ils ne vont pas le recevoir, vu qu'ils vont cotiser à hauteur de 500 euros. Donc voilà, c'est juste ma question. Ok. Ah, faut que je note, j'ai une petite tête. Moi. Allez-y, mais ne vous plaignez pas si nous sommes en retard après. Hein. Attention. Alors messieurs, vous avez 3 minutes pour vous partager ces 2 questions. Ok, alors la première, alors je répondrai à la première question par une question. Vous dites, les pauvres, c'est quand même vachement dur de les faire payer 30% de leurs revenus. Savez-vous quel est le taux d'imposition sur quelqu'un qui est bénéficiaire du RSA, de l'AAH ou de l'ASPA? Quel est le taux de prélèvement de ces revenus? Personne ne sait. Isabelle, il faut les aider un peu, là. Les revenus, quelqu'un qui est au RSA, qui touche, mettons, 200 euros, s'il a fait un petit boulot, machin, 200 euros. L'État lui pique combien de ces 200 euros? C'est méchant de les faire languir comme ça, parce qu'après, Léon ne pourra pas répondre. La réponse, c'est 100%. Ces 200 euros de revenus sont soustraits intégralement de son RSA. Le taux marginal est de 100%. Merde. Excuse-moi, c'est moi qui l'ai coupé, pardon. Nerveux. Le taux de prélèvement sur les petits revenus, hein, que ce soit par rapport au RSA, par rapport à l'AAH, hein, personne handicapée, et en plus c'est terrible pour les couples, c'est horrible. Étant en couple, votre compagnon étant à l'AAH, vous avez un petit revenu, votre petit revenu, on l'enlève à 100% de l'AAH de votre compagnon. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Hein. Donc le taux de prélèvement actuel sur les pauvres, c'est 100%. Il y a la prime d'activité qui compense un peu, qui fait qu'en fait, on est à 39% à peu près. Voilà. On a 39% avec la bonification, ça fait des vagues, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais les petits revenus sont hyper prélevés. Vous savez, quand je dis 30%, en fait, pour eux, c'est vachement mieux. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer. C'est qu'on ne voit pas. On dit, tiens, ils ne payent pas d'impôts. Mais vous rigolez, ils ne payent pas d'impôts. Ils payent 100% sur leurs revenus qu'on soustrait de leur minima sociaux. Ça, c'est le premier truc qui est hyper important. Ensuite, vous dites, est-ce que ce truc-là, c'est un revenu universel ou c'est plutôt un impôt négatif? On appelle ça comme on veut. Enfin, honnêtement, je m'en fiche pas mal. Quand je faisais ma thèse, j'appelais ça l'allocation universelle. Après, j'ai créé le revenu de base avec mes FERBES. Ensuite, j'ai repris l'allocation pour revenu d'existence. Maintenant, la mode, c'est revenu universel. Moi, je suis un gars extrêmement simple, je suis la mode. J'ai aucun avis. Vous appelez ça comme vous voulez, moi, voilà. Sur les enfants, pour être clair, ce que je dis, c'est que le revenu universel, c'est une grosse réforme et qu'il est techniquement possible, mais pas obligatoire, de commencer par une phase 1 qui consiste à rationaliser les prestations familiales, sortir les enfants du système et mettre les enfants à 200-250 euros par enfant, point. Et dans une deuxième phase, de faire le revenu universel adulte. Mais on peut aussi, ça me paraît plus ambitieux et plus difficile, faire tout d'un coup. Il ne faut pas confondre avec ce que j'ai dit sur la nécessité de ne pas mélanger la discussion sur la restructuration de notre système socio-fiscal, sa rationalisation, et sa générosité. Ce sont 2 sujets différents, et il ne faut pas tout mélanger, sinon le dialogue devient complètement confus et on ne sait plus de quoi on parle.
Est-ce que c'est clair? Je voudrais ajouter, répondre à la question. Deux fois, on a parlé des taux progressifs. Oui, mais je suis vraiment désolé, Léon. Oui, là, c'est dommage. On va vraiment arriver à la limite du temps. Mais je tiens à vous remercier tous les quatre d'avoir participé à cet exercice qui n'était pas facile pour vous. Je tiens à bien le souligner. Et je vais vous demander de partir afin que nous laissions... Non, vous restez. Pardon. Je demande à mes invités de laisser la place à la nouvelle tribune, justement, à la table ronde animée par Virginie Deleu sur le revenu de base comme levier de transition écologique. Je vous remercie tous d'avoir été présents.